Le prix du sucre n'a pas changé. Un sac de 50 kg est vendu à 111 500 francs dans tous les entrepôts de la Sosumo. Les commerçants qui s'approvisionnent directement dans les entrepôts de la Sosumo revendent le sac de sucre à 114 000 francs. Tandis que pour un détaillant, un sac est vendu à 117 000 francs, d'où le prix d'un kilo de sucre est de 2 340 francs. Nous entendons parler d'une flambée de prix inexpliquée dans ces derniers jours dans certains points de vente à mairie de Bujumbura. Cette hausse des prix résulterait de la spéculation de certains vendeurs opportunistes qui cachent le sucre dans leurs entrepôts, causant ainsi la non-disponibilité de ce produit dans les boutiques alimentaires. De ce qui se précède, la liste des vendeurs du sucre a été révisé selon les critères suivants. Premier critère, les clients qui ont été fidèles de janvier 2019 à janvier 2020 sont retenus. Deux, les clients qui ont abandonné le commerce du sucre depuis avril 2017 et qui réapparaissent depuis octobre 2019 suite aux rumeurs de pénurie du sucre sont rayés de la liste car ils ne sont pas de vrais commerçants de sucre. 3. Après descente dans différents quartiers de Bujumbura, constatant qu'il n'y a pas de sucre dans certaines alimentations et boutiques, nous avons décidé de dresser une liste des alimentations qui peuvent s'approvisionner directement dans les entrepôts de la Sosumo, envie de le rendre accessible. Les commerçants retenus ayant des quantités supérieures à 4 tonnes vont s'approvisionner par quinzaine, hormis les commerçants des provinces de Bujumbura, Bururi, Bubanza, Chibitoke et Rumonge. 5. La Sosumo s'engage à disponibiliser le sucre sur le marché et demande à l'administration de faire un suivi régulier et faire respecter le prix.